Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 13 janvier, un nouveau jour, une nouvelle méditation. Et merci de me faire asseoir à ta table, dans ta voiture, dans ton lieu de travail, pour écouter cette méditation. Nous sommes en communion ensemble, moi avec toi, toi avec moi, parce que nous avons quelque chose à dire. Nous avons, en tant que chrétiens, un message puissant à délivrer au monde qui ne croit pas en Dieu. Les gens verront que Dieu existe au travers de ses disciples. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des disciples. Et au sein de l'Église, le Bon Samaritain, dont je suis le pasteur, nous faisons une grande distinction entre être chrétien et être disciple. Le chrétien va à l'Église et retourne à la maison, ne fait quasiment rien ou peu avec les choses de Dieu, tandis que le disciple comprend que Dieu veut s'utiliser de lui, qu'il a une marque, un cachet, il a quelque chose à apporter à son concitoyen, à son frère, à sa sœur, à ce monde, et il se attelle à faire ce pourquoi Dieu l'a créé. Et donc aujourd'hui, la méditation d'aujourd'hui est extraite de Actes chapitre 10 verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Actes chapitre 10, verset 34. Il y a beaucoup de façons de guérir. Et le titre de cette méditation est « Dieu ne fait pas de favoritisme. » Comme je le disais, il y a beaucoup de façons de guérir. On peut être guéri par exemple par la prière. Et là, c'est Jacques chapitre 5 du verset 14 à 15 qui nous le dit. Ou par l'imposition des mains, on le voit dans Marc chapitre 16 verset 18. Ce ne sont que deux méthodes bibliques pour recevoir la guérison. Mais vous pouvez être guéri aussi en croyant. On l'a lu hier, Ésaïe chapitre 53 du verset 4 à 5. Il y a aussi Matthieu chapitre 8. Verset 17. Et il y a aussi la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 24. Sans que personne ne prie pour vous, en agissant tout simplement vous-même selon ces versets. En effet, c'est sans doute la meilleure méthode, car après être guéri, vous pouvez aller dire à autrui comment vous avez été guéri, et ils peuvent recevoir leur guérison de la même façon que vous. La guérison appartient à chacun de nous. Certains affirment, mais il s'agit de guérison spirituelle seulement. Les Écritures ne font pas allusion à la guérison physique. Et regardez un petit peu le témoignage que j'ai eu. Parce que comme je dis, moi j'aime bien les témoignages non seulement que je reçois, mais aussi les témoignages que je trouve d'hommes et de femmes de Dieu qui ont opéré dans la puissance de Dieu, où Dieu s'est utilisé d'eux. Et c'est grâce à ça que aujourd'hui ma foi me porte à croire l'impossible. Parce que de un, Jésus l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et puis, les témoignages de nos anciens qui ont vécu sur cette planète Terre et qui ont été utilisés par Dieu pour faire des miracles, mais pourquoi Dieu ne devrait pas le faire avec moi? Pourquoi Dieu ne devrait pas le faire avec toi, mon frère, ma sœur? S'il l'a fait avec eux, on l'a vu. Dieu ne fait pas de favoritisme, mon frère, ma sœur. Et regardez le témoignage que j'ai trouvé et que j'aimerais vous faire partager. J'expliquais 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivons pour la justice. C'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Cet homme a pris ce passage et l'a donné à une femme qui était extropiée, auquel les médecins s'étaient prononcés ainsi. Elle ne marchera plus jamais. Elle était dans un fauteuil roulant depuis 4 ans. Au moment où je lui donnais ce verset, je n'opérais pas dans les dons de l'esprit. Je lui donnais 1 Pierre chapitre 2 verset 24, donc le passage que je vous ai lu, en l'encourageant tout simplement à agir en conséquence. Je ne sais pas si vous arrivez à vous faire le film dans votre tête
de cette femme qui est là, sur un fauteuil roulant. Un homme de Dieu lui donne ce passage et dit « Agis en conséquence, mon frère, ma sœur. » Là, c'était une sœur, ma sœur. Et Dieu sait que c'est vrai, il dit. Des centaines de gens la virent tout d'un coup sauter, marcher et gambader. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, sera efficace aussi pour vous, comme pour cette femme. Dieu ne fait point de favoritisme. Mon frère, ma sœur, il est vrai que vous ne pouvez pas croire en ce récit-là. Mais toi qui es malade, toi qui vis une situation qui est désespérée, mon frère, ma sœur, les médecins t'ont dit que c'était fini pour toi. Pourquoi ne simplement pas croire en ce verset ? Crois simplement. Qu'est-ce que tu as à y perdre ? Qu'est-ce que tu as à y gagner ? Ta guérison. Tu n'as pas assez souffert, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas assez souffert. Ça fait combien de temps que tu attends ta guérison ? Ça fait combien de temps que tu es comme ça, que tu souffres ? Ça fait combien de temps que tu as dit « Dieu, pourquoi tu ne réponds pas à ma prière ? Dieu, pourquoi tu n'agis pas ?» Là, Dieu t'offre la solution pour ton miracle. Et c'est gratuit. Dieu ne te demande rien. Et Salvatore Gentile, moi qui te parle, ne te demande rien. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Comme je l'ai dit, je prends de mon temps pour vous partager cela. Parce que quand tu comprends, mon frère, ma sœur, qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu, ben, tu as envie de le partager aux autres. Je suis témoin de guérison. Mon épouse est témoin de guérison. D'autres qui, pour qui nous avons prié sont témoins que Dieu a agi. Alors, mon frère, ma sœur, pour aujourd'hui, une bonne déclaration. Selon la parole de Dieu, répète après moi, selon la parole de Dieu, je suis guéri. Je suis guéri. Il est écrit en 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, par ses meurtrissures duquel vous avez été guéri. Si nous l'avons été, je le suis également. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, cher ami, sois puissamment béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de ta maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de ton infirmité. Le nom de Jésus est au-dessus de tes problèmes financiers. Le nom de Jésus est au-dessus de ta dépression, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus, crois et tu verras la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta guérison.